Nous avons tous rencontré des personnes remarquables qui ont la capacité de résoudre les problèmes les plus complexes avec facilité, qui semblent avoir un flair pour prendre les bonnes décisions et qui réussissent dans tous les aspects de leur vie. Mais qu'est-ce qui les rend si exceptionnels? Aujourd'hui, nous allons explorer les 7 choses les plus importantes et pertinentes que les gens intelligents ne font jamais. Vous allez découvrir des habitudes fascinantes et des comportements qui pourraient bien changer votre vie pour toujours. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin pour en savoir plus et découvrir comment vous pouvez appliquer ces habitudes à votre propre vie pour devenir une personne plus intelligente et plus réussie. Habitude 1. Gaspiller son temps. Les personnes intelligentes ont souvent une très bonne gestion du temps, elles planifient leur journée de manière à maximiser leur efficacité et leur productivité. Elles évitent les activités inutiles qui ne les aident pas à progresser vers leurs objectifs, et se concentrent plutôt sur les tâches qui ont une valeur ajoutée. De plus, elles évitent les distractions qui peuvent les empêcher d'être productives. Elles savent qu'il est facile de se laisser distraire par des choses comme les réseaux sociaux ou la télévision, et donc elles prennent des mesures pour minimiser ces distractions, par exemple, mettre son téléphone en mode silencieux pendant qu'on travaille ou tout simplement bloquer certaines applications pendant un certain temps ne peut être que bénéfique en termes de concentration, donc de productivité. Quand on observe le lifestyle des personnes à succès, on se rend compte qu'il ne s'agit pas seulement de travailler de manière acharnée, mais aussi de se reposer et se ressourcer afin de recharger ses batteries pour être plus efficace et productif. Elles peuvent utiliser ces pauses pour faire de l'exercice, méditer ou simplement se détendre. En somme, nous devons prendre conscience de l'importance de la gestion efficace du temps qui nous est dû. Habitude 2, chercher à plaire à tout le monde. Comme disait quelqu'un, si on plaît à tout le monde, c'est qu'on n'a pas de personnalité. En réalité, on ne plaît à personne. Les personnes intelligentes ont conscience qu'il est impossible de plaire à tout le monde et qu'il peut être inutile de chercher à le faire. En effet, elles savent que se conformer aux attentes des autres peut également entraîner un manque d'authenticité et de confiance en soi. Au lieu de chercher à plaire à tout le monde, quelqu'un qui cherche à s'accomplir reste fidèle à ses opinions et à ses valeurs. Même si cela implique de ne pas être d'accord avec les autres, les personnes intelligentes sont également conscientes qu'être en désaccord avec les autres n'implique pas nécessairement une confrontation ou un rejet. Elles savent qu'il est possible de communiquer ses opinions et ses valeurs de manière respectueuse et en écoutant également les opinions des autres, tout en ayant pour but de tirer le plus de valeur possible, car elles savent qu'on apprend de tout le monde. Habitude 3, se plaindre constamment. Il faut comprendre que se plaindre constamment de ses problèmes est inutile et peut même être contre-productif. Le faire ne résout rien et peut entraîner une attitude négative et une perception défaitiste de la vie. Au lieu de se plaindre, les personnes intelligentes cherchent des solutions aux problèmes qu'elles rencontrent, elles sont positives et optimistes, même dans des situations difficiles, et cherchent à trouver des moyens de surmonter les obstacles. Elles sont également conscientes de l'impact de leur attitude sur leur environnement. Elles savent que se plaindre constamment peut avoir un effet négatif sur les autres et peut décourager les gens autour d'elles. Au contraire, en étant positives et en cherchant des solutions, elles peuvent inspirer les autres à faire de même. Habitude 4, se limiter à sa zone de confort. Les gens qui réussissent comprennent l'importance de sortir de leur zone de confort pour développer de nouvelles compétences et connaissances. Elles savent que se limiter à leur domaine de connaissances peut entraîner un manque de diversité et de perspective, ainsi qu'un risque de stagner dans leur vie personnelle et professionnelle. Être intelligent consiste aussi à chercher constamment et à explorer de nouveaux domaines et à apprendre de nouvelles choses. Il faut donc être curieux, ouvert d'esprit et chercher à élargir son champ de connaissances. Et ce sont ces qualités qui différencient ceux qui vont réussir des autres. Les personnes intelligentes sont également conscientes de l'importance de prendre des risques calculés pour atteindre leurs objectifs. Elles savent qu'il peut être difficile de sortir de sa zone de confort, mais elles sont prêtes à prendre des risques pour progresser et se développer. Habitude 5, juger hâtivement les autres. Essayez de comprendre le point de vue des autres avant de porter un jugement.
est la marque de tout grand homme, les personnes intelligentes savent qu'il est facile de tomber dans le piège de la pensée stéréotypée et de porter des jugements hâtifs sur les autres sans avoir suffisamment d'informations. Au lieu de cela, elles cherchent à comprendre les motivations et les perspectives des autres avant de porter un jugement. Elles comprennent que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être à première vue et cherchent à obtenir tous les faits avant de prendre une décision. Les personnes intelligentes sont également conscientes de l'impact de leur jugement sur les autres. Elles savent que porter un jugement hâtif peut être préjudiciable et peut avoir un impact négatif sur les relations interpersonnelles. Au lieu de cela, elles cherchent à être bienveillantes et à donner le bénéfice du doute aux autres, en attendant d'avoir suffisamment d'informations pour porter un jugement éclairé. Habitude 6, être égocentrique. Une personne éclairée comprend très vite que dans certaines situations, il faut appliquer le proverbe qui dit « seul, on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ». Les personnes intelligentes sont conscientes de l'importance de travailler en équipe et de collaborer avec les autres. Pour atteindre un objectif commun, elles savent que la collaboration avec d'autres personnes peut mener à des idées et des solutions plus créatives et efficaces que celles auxquelles elles pourraient arriver seules. Elles cherchent à créer des environnements de travail où chacun peut apporter sa contribution et où les idées sont encouragées et discutées ouvertement. Elles ne se concentrent pas uniquement sur elles-mêmes et évitent l'égocentrisme. Elles comprennent qu'il est important de tenir compte des besoins et des perspectives des autres dans les projets et les décisions qu'elles prennent. Elles cherchent à être empathiques et à comprendre les autres en développant leur capacité d'écoute active. Les personnes intelligentes sont également capables de reconnaître leurs propres limites et de demander de l'aide lorsque cela est nécessaire. Elles sont conscientes que personne ne peut être expert dans tous les domaines et qu'il est important de faire appel aux compétences et aux connaissances des autres pour accomplir des tâches difficiles ou complexes. Habitude 7, se reposer sur ses lauriers. Et enfin, toute personne ayant obtenu le succès ou alors travaillant pour ce qu'il est important de continuer à apprendre et à se développer tout au long de sa vie. Les personnes intelligentes et qui ont de l'ambition ne se contentent pas de leur niveau de connaissance actuel mais cherchent constamment à en apprendre davantage pour améliorer leur compréhension du monde qui les entoure. Elles sont conscientes que les connaissances et les compétences acquises peuvent rapidement devenir obsolètes, en particulier dans un monde en constante évolution. C'est pourquoi elles cherchent à s'informer sur les dernières tendances et technologies dans leur domaine et à se former régulièrement pour rester à jour. De plus, elles ne se reposent pas sur leurs lauriers lorsqu'elles atteignent un certain niveau de réussite. Elles continuent à chercher de nouveaux défis et à se fixer des objectifs ambitieux pour se pousser au-delà de leurs limites actuelles. Elles savent que le succès est un processus continu et qu'il est important de rester motivé et de continuer à travailler dur pour réussir. Voilà, nous avons exploré les 7 choses les plus importantes et pertinentes que les gens intelligents ne font jamais. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile et qu'elle vous a donné des idées pour améliorer votre vie et devenir une personne plus intelligente. Rappelez-vous, ces habitudes ne sont pas réservées aux personnes intelligentes ou aux génies, elles sont accessibles à tous. En appliquant ces habitudes à votre vie quotidienne, vous pouvez améliorer votre productivité, vos relations, votre réussite professionnelle et votre bien-être personnel. Nous vous encourageons à commencer dès maintenant à mettre en pratique ces habitudes pour voir les résultats dans votre vie. N'oubliez pas que le développement personnel est un processus continu et que chaque petit pas que vous faites vous rapproche de vos objectifs. Merci d'avoir visionné notre vidéo. Si ce qu'on fait vous intéresse, s'il vous plaît, n'hésitez pas d'aimer, de s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Si ce n'est pas encore fait, dites-nous dans les commentaires, quelle est la phrase qui vous a le plus marqué. Portez-vous bien, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.